d'abord le débit, enfin de quoi je pars, du frein, parce qu'il y a un frein, il y a 60 de diamètre. Et vu que j'ai déménagé, il était déjà préfendu pour simplifier le transport. Donc, j'ai pris là-dedans. Première fente au coin. Alors, bah, j'ai un coin métal là, j'ai un coin bois qui bat par là, il doit y avoir un autre plus loin, quoi. Première fente au coin. Pour diminuer. Deuxième fente après la balustrade au départoir, pour me rapprocher vraiment au plus près de ce que je veux avoir. Mise sur cette autre tracé, donc là on voit le tracé, là, il est là, juste là, hop, de ma pièce. Écarissage, donc avec la doigt à la bras. J'ai essayé d'écarir aussi vraiment en aidé sur la finition, plutôt que faire comme je fais habituellement, de faire ce qu'on a retrouvé sur les poutres romaines, qui ont une finition qui est très très brute et assez inclinée. Donc là encore, j'ai un peu trop mes mauvaises habitudes de comment moi je travaille, où je suis un peu plus parallélophile. Mais la finition romaine est beaucoup plus avec la hache comme ça qui arrive, comme on voit bien, beaucoup plus inclinée de ce qu'on a retrouvé. Donc j'essaie de faire ça. Juste, ça se fait très bien, juste pas dans mon étude. Donc là, justement, pareil, donc les deux premiers bras calibrés. Donc, si je zoome, justement, cette finition qu'on a retrouvée sur les pièces romaines, on la voit bien. Très très marqué comme ça. Avec un... bon, là, vu que c'est des petites pièces, c'est moins flagrant que sur les grosses pièces qu'on retrouve qui sont en général les 30-30, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment dans ce style-là. Là où une finition médiévale, on aura une trace beaucoup plus parallèle en général. Donc là, toujours les bras. Après, calibrage au rabot pour avoir du coup la conicité en queue de billard des bras. Là. Et donc après, les deux bras rabotés, calibrés en queue de billard, comme il se doit. Alors, j'ai pas pris de photo de quand j'ai taillé les demi-cercles, mais c'était assez, assez direct, tracé. J'en ai encore un du coup qui est tracé, que j'ai pas taillé, j'en ai après refait un autre en rab, qui est tracé, pas taillé. Et après, c'est assez direct au ciseau à bois, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Et donc là, les deux bras finis, avec les outils utilisés pour les faire. Donc, une main classique que j'ai utilisé pour tronçonner en deux. La bille longue, mais sinon c'est la dos, la bras et le rabot, quoi. Là, et donc là ça c'est la culasse mobile, donc pareil, même socle de frêne, là beaucoup plus gros, même principe, tracé, clamosé, et là pareil, écarissage, donc on voit bien en taille du dégrossi, on revoit bien, et normalement on va avoir, hop, en taille, normalement j'ai fait une vidéo je crois sur l'autre face, puis bon, en taille après, finition, hop. Donc la finition justement, on va le voir dans la vidéo, mais beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, à la médiévale. J'ai opté pour ça, pour essayer vraiment d'avoir une finition beaucoup plus propre à l'écarissage, pour avoir le minimum de travail derrière au rabot. Hop. Donc, là, c'est les dentailles des gros fils. J'ai autant de pertes en matière, enfin autant de grosses ondes très marquées, vu que je pars surtout à la base d'un périmètre fendu et que je voulais orienter la pièce de bois vraiment d'une manière assez précise pour limiter les déformations au maximum dans l'idée. Que une déformation soit celle qui m'arrange en cas de retrait une fois qu'elle sera mise en place. C'est pour ça que là c'est des entailles assez conséquentes. Du dégrossi, après, donc, première entaille pour couper la fibre que je tiens à montrer. Trait qu'on voit juste là, et tracé là. Et donc après, je viens de me rapprocher du trait au maximum. Et c'est là justement la finition romaine, en gros, c'est ils font leur finition comme ça, des bâtiments, enfin de toutes les pièces que j'ai pu voir retrouver en fouille. C'est assez, entre guillemets, plus brut. Et une finition comme ça en reculant, où ils vont arriver sur la plomb.
très propre, enfin très propre. Petite hypothèse que j'ai, c'est qu'on voit tout l'âge qu'on retrouve chez les romans fouilles, donc il y a ces deux labras qui sont des légionnaires assez particulières. Mais les autres haches lambda qu'on va trouver, elles ont des tranchants qui dépassent quasiment jamais les 10 cm. Donc en effet, si on se retrouve sur des très grosses sections avec arrière, ce qui est le cas de beaucoup de bâtiments romains avec des grosses pièces de bois, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire une finition où on vient parallèle au tranchant du dessus. Enfin, ça se fait très bien, mais c'est vrai que c'est pas toujours plus efficace. Voilà, c'est une justification qui peut justifier l'utilisation de cette solution de finition dans leurs habitudes de construction. Après, c'est une hypothèse et c'est pas non plus une règle, je pense pas du tout une règle générale, c'est juste une remarque, on va dire. Les deux dernières minutes, ça va être vraiment du. Vu qu'il y avait une recherche, comme je dis, pour cette pièce qui est en fait comme une pierre de tiroir, avec vraiment un gros degré de précision. Sur la fin, c'est vraiment de la recherche de micro-copeaux pour vraiment m'approcher au maximum du rendu. Après, hop, donc les deux faces, les deux premières faces finies. On fait un quart de tour. Là, justement, étant donné la matière que j'avais, j'ai tenté, et ça l'a très bien fait, donc j'ai écarté une face ici, là, en dessous normalement. Et là, j'ai opté de couper la fibre en deux au milieu pour prendre un peu moins de risque, et après de fendre en fait directement pour sortir un gros copeau. Et du coup, ça me permet d'avoir une pièce de bois qui est beaucoup plus réutilisable qu'un petit copeau de finition. C'est pas très orthodoxe, c'est vraiment une économie de matière et un plaisir de le faire, quoi. Donc ça me permet de sortir un seul gros copeau de fente pour gagner du temps un peu, mais surtout ouais, c'est avoir un copeau plus réexploitable qui peut servir à faire des manches ou d'autres choses, quoi. Vu que ça reste du frêne plutôt de très haute qualité, mine de rien, ça fait un peu mal au cœur de le couper en tout petit bout. Donc là, la pièce finie. Et après, bah, je viens du coup raboter la pièce pour bah, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est vraiment pour coller au maximum. Vu que j'ai pas fait toutes les autres pièces et que les autres sont taillées à une section précise, j'étais obligé de m'adapter à ça. Et donc d'avoir pouvoir travailler une face comme les plans et comme les autres intervenants. Donc je me suis retrouvé à raboter là où je pense que sinon une finition écarée aurait largement suffi avec un écartable. Du coup, pareil, j'aurais fait un écartable aussi. J'ai fait un écarissage propre par rapport à mon calibrage pour pouvoir le raboter facilement, mais j'ai pas fait un écarissage propre pour le laisser non plus une face écarée. Donc c'est des choix un peu de nuances de finition. Donc rabotage. Donc vu que ça là c'est du rabotage de pièces de charpente, mon rabot romain, je l'ai calibré beaucoup plus en rabot de finition et pas en rabot de dégrossi. Et donc là c'est pour ça que j'utilise pas un rabot romain, donc là c'est un rabot germanique, mais c'est un rabot, là-dessus ils n'ont pas évolué, c'est le même principe. Mais qui du coup a un fer et des lumières qui lui est fait pour faire du dégrossi. Là où le rabot romain métal, je lui ai fait une seule de finition. Je ne sais pas comment ils étaient faits les rabots historiques romains, parce que bah, ils sont trop rouillés pour. Puis j'ai pas pu en avoir assez entre mes mains pour les relever pour savoir si c'est des rabots de finition ou de dégrossi. Mais j'aurais tendance à supposer que on sait qu'ils avaient des rabots avec semelle bois, des rabots avec semelle métal, qu'un rabot avec semelle métal, c'est un rabot qui est plus cher, qui a l'avantage d'avoir une semelle qui ne se déforme pas. Et donc pour moi l'intérêt c'est de l'avoir sur un rabot de finition pour vraiment avoir cette finition parfaite. Là où un rabot bois avec l'usure, la table se dérègle. Et donc un rabot dégrossé avec une table bois c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait mon rabot romain en rabot de dégrossi non plus. Donc le rabotage, calibrage bah, à l'équerre pour tout vérifier. Là une photo floue comme d'habitude. Là donc, on voit la face du coup bah, cette fois-ci finition rabotée. Hop. Et là, du coup, bah, on voit les quelques tracés, du coup, bah, pointe à tracé, donc c'est très, très léger. Hein. Mais du coup, comme je dis, on a un bras de baliste où on a ces tracés-là, du coup, pour le bras, vu que je ne l'ai pas taillé. Donc, bah, piqûre à la pointe, trusquin pour tracer les parallèles aux côtés. Donc, justement, bah, j'ai travaillé par rapport aux parallèles aux côtés. Ce qui est instinctif en menuiserie, et sur du bois raboté, ce que moi, je n'ai pas eu de faire en charpente. Et ce qui, du coup, là, est faisable, étant donné que bah, la pièce est rabotée, calibrée. Et que bah, tout est fait par rapport à une vision moderne, vu que les plans ont été faits, qu'il y a différents intervenants, et dont l'école de la Gérardière, qui n'a pas l'habitude de travailler du bois non calibré, et qui du coup sont faits pour travailler une face. Là, donc là on voit bien, justement le trait de Trusquin. Et après, bon là, une photo un peu floue aussi, mais du coup, bah voilà, je suis venu, du coup là c'est la première partie de la glissière, la première rainure la plus large, dans laquelle le boulet va coulisser. Donc je suis venu faire une première rainure à la hache. Donc là on voit là, hop, dégrossir à la hache ma rainure. Hop, hop, pareil, voilà, hop, le bout m'approcher à l'herminette, puis après j'ai mis un petit coup de ciseau pour couper, pour pas que ça file, pour être tranquille. Pareil, c'était vraiment une histoire, là
Ça, c'est à l'herminette, donc avec l'herminette de la bras. Voilà. Puis je suis venu après nettoyer à l'herminette, justement, le fond pour arriver à un plat et nettoyer un peu au ciseau aussi. Et donc là, plus que la taille, c'était vraiment la finition de profondeur de la rainure et pas du tout le dégrossi. Le dégrossi, je l'ai fait plus au sol. Même principe, mais avec des copeaux beaucoup plus gros. Là, c'est vraiment du nivelage pour avoir un fond de rainure vraiment propre. Bah, piocher le fond de la rainure et retirer du copeau. Rainure, donc c'est la première rainure de fête. Hop. Ah, et après je suis venu, bah là j'ai une vidéo pareil, donc pour faire les queues d'aronde, où je taille bah, du coup la queue d'aronde, bah, du coup pareil à la hache, cette fois-ci. Et donc c'est le même principe que la première, quand j'ai dégrossi ma rainure, je viens d'un côté d'un pont, un côté en biseau, et j'avance sur la longueur pour faire ma rainure de la queue d'aronde. Dégrossi de la rainure de la queue d'aronde. Et donc c'est là que je disais justement la profondeur, alors ça se fait très bien, mais en vrai que quand on travaille la main, en fait on se rend compte que c'est pas pertinent d'aller aussi profond sur la rainure. Pas spécialement utile, mais bah, plus de risques, plus fragile et sans intérêt technique. Donc voilà la rainure en photo. Voilà. Et donc l'autre rainure, comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai changé de hache. Parce que bon, j'ai vu que la Dolabra fonctionnait, mais il tournait son système d'emmanchement, le manche est un peu trop fin pour moi, parce que bah, quand je l'ai forgé, j'aurais dû percer avec un peu plus gros, mais avec pas la matière pour, et que je voulais l'emmancher par le dessus, et donc ça me commençait à me faire mal au poignet, dû au manche, donc j'ai préféré changer de hache plutôt que de me flinguer les poignets. Voilà, pour refaire la même chose, donc le même principe. Voilà. Et donc là après on a du coup bah, la première rainure, la queue d'aronde ici par en dessous, et du coup après le décrocher pour avoir toute la partie métallique. Donc avec voilà, ce décrochage qu'on a refait sauter avec le changement de plan du coup. Voilà. Donc là pareil, taillé de hache et ciseaux, taillé ça. Voilà. Donc là l'autre rainure n'avait pas été encore faite. Et je ne sais pas si j'ai une photo de l'autre rainure parce que j'avais pas la cote à ce moment-là. Je n'ai pas, mais l'autre rainure c'était la très directe ciseau à bois vu que je pouvais pas passer avec mon herminette ou la hache n'avait pas l'intérêt et qui a été que de 1 cm et demi de profondeur. Donc là c'est comme une mortaise sur au ciseau, vite fait, ça pourrait être bien, pas bien compliqué pour la taille de la culasse.